La vie, c'est une course contre le soleil. On n'a pas de temps à perdre. Et là, la journée commence. La Suisse est un pays à couper le souffle. Un vrai paradis pour un amoureux de la nature et des sports extrêmes comme moi. Je suis arrivé ici par chance. Mais comme je le dis souvent, la chance ne nous tombe pas dessus. On doit la provoquer. Je provoquais la Suisse et elle m'a jamais déçu. C'est elle qui m'inspirait et m'a appris à rêver grand. Elle est tout de suite devenue mon terrain de jeu. Le sol où je fais mes premiers pas d'aventurier. Le sommet qui me poussait à gravir mon premier 8000. La rivière dans laquelle je rêvais de battre des records du monde. Le lac sur lequel j'ai imaginé pouvoir traverser les océans. Les paysages qui m'a formé. Ici, je me sens à la maison. On fait du vélo aujourd'hui. Mais ça, c'est l'échauffement. Il y a tellement de choses à faire ici, au canton de Berne. Et avec mon vélo électrique, je trouvais un petit chemin qui va le long de la Sarine. On a l'impression d'être loin, mais vraiment près de la civilisation. On y va, je vais vous montrer où c'est. Il y a des bijoux cachés derrière chaque montagne. Et là, un lac splendide. Un bon coin pour manger un tout petit peu quelque chose de la région. C'était délicieux. Le soleil va bientôt coucher et là j'arrivais au lac de Oeschinen. Je veux me baigner un peu. C'est un lac qui est formé par les glaciers qui fondent. Il y a plusieurs cascades qui versent dedans et c'est vraiment un petit paradis. Les lacs de haute montagne ont une couleur splendide. Et c'est complètement différent que les lacs de basse altitude. Et là maintenant, on va se baigner. L'avantage d'explorer en Suisse, c'est que la civilisation n'est pas trop loin de la nature. Et puis, ils se cohabitent bien ensemble. On peut toujours se mettre sur une terrasse, en regardant du soleil qui se couche, avec les glaciers et le lac derrière toi. Voilà, santé.